Bonjour, je suis Stéphane Noirhomme, professeur, alors on dit communément de sciences, au sein du complément CESS, mais le cours ne s'appelle pas science, il s'appelle approche scientifique. Il est question non pas seulement d'apprendre des sciences conventionnelles donc, qui seraient tirées d'une liste établie, mais plutôt d'apprendre une démarche. Une démarche pour aborder des questions de science. Alors c'est quoi une question de science? Bien, la plupart du temps, c'est une question complexe. C'est une question qui demande du temps de recherche. C'est d'abord de comprendre si la question a un sens, de savoir si on a des éléments de réponse qu'on peut trouver à gauche ou à droite. Alors c'est principalement ici de la recherche documentaire qu'on fait, même si il arrive bien souvent qu'on aille sur des éléments, des modèles qu'on essaie d'observer, des expériences qu'on essaie d'analyser. Mais donc c'est essentiellement de la recherche documentaire. Et j'ai pris avec moi ici, comme je le fais d'ailleurs pour présenter le cours en début d'année, c'est un petit carton voilà, où on voit un personnage qui se gratte la tête et qui cherche dans des documents qu'il a découpés avec des grandes paires de ciseaux, voilà, par rapport à une question qui lui importe. Une question au départ que moi j'apporte auprès des étudiants et au fur et à mesure de l'année, on essaye que chaque étudiant apporte des questions qui lui le préoccupent dans l'actualité de son histoire et aussi de son parcours d'études en utilisant voilà des sujets qui sont utilisés par ailleurs dans la section qualification puisque c'est le complément CESS qui est étudié ici et alors aussi par rapport au travail de fin d'études qui est demandé pour la section. Et donc le cours de sciences bâtit une façon de comprendre les questions complexes et de pouvoir, dans l'épreuve intégrée qui sanctifie la fin du parcours, d'essayer de comprendre que ce soit une question de science ou une question qui n'a pas directement à voir avec les sciences, d'essayer d'appliquer cette démarche scientifique, comme on le dit, pour pouvoir réussir son année. Voilà. Bonjour, je suis Isabelle Debilde, je donne cours de mathématiques en complément CESS. Donc ce cours de complément CESS vient donc compléter votre qualification. Le cours de complément CESS mathématiques va porter sur une durée de 40 périodes. Et l'idée de ce cours, ce n'est pas un niveau CESS classique, mais c'est plutôt dans l'idée de démystifier un peu les mathématiques et de se rendre compte que les mathématiques, on en a un petit peu partout. Donc voilà, ça vous donne un peu un aperçu, ça vous donne aussi une idée que ça peut avoir une utilité dans beaucoup d'endroits.